dans les coulisses. Nous sommes derrière le palais des spectacles pour vous proposer un nouveau défi. On l'a appelé le défi des chiens. Regardez comme ils sont mignons. Ils sont tous là. Vous pouvez montrer les pancartes hein, si vous voulez, puisque Manuel Castaneda, qui est éducateur canin, que vous avez pu entrevoir comme ça tout à l'heure au tout début d'émission, il n'est pas présent. J'irai le retrouver tout à l'heure. Regardez, alors par contre, je ne vous cite pas. Hein. On va faire des petits plans là. Regardez. Regardez encore derrière. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a. Ah, ils sont mignons. Regardez bien, petite fille. Regardez-moi celui-ci là, comme il est adorable. On a le nom, ça sera l'objet de notre défi. Est-ce que Manuel Castaneda, éducateur canin, va pouvoir, en 3 minutes et 30 secondes, hein, c'est le temps qui est imparti, découvrir 15 chiens, c'est-à-dire découvrir 15 races de chiens, mais à l'aveugle. Je rappelle qu'il aura les yeux bandés sur les 20 que nous allons sélectionner avec notre huissier de justice, Philippe Louaille. Alors, ça, canin. Oui, c'est ça, oui, éducateur canin. C'est quoi par rapport à un dresseur ? Je vais faire une petite différence, c'est que moi je ne fais pas tout ce qui est mordant, tout ce qui est agressivité, quoi, voilà, uniquement une bonne relation entre le maître et son chien. Voilà, vous savez à peu près tout. Dev, à vos ardoises, est-ce que Manuel Castaneda va remporter ce défi ? Va-t-il reconnaître 15 races de chiens ? Moi je pense qu'il va arriver. Qu'en pensez-vous, Dev ? Ah ouais, je pense qu'il va y arriver. Je le sens bien, moi. Moi les yeux bandés en les touchant, hein, je le précise. Oui, mais je crois qu'il a l'air de connaître son métier. Mais c'est... Allez-y, allons-y, on va le faire tout de suite. Et puis on va vérifier simplement qu'il ne voit rien. Vous continuez à voter, vous avez tout. Le défi final, c'est impératif, c'est important pour que Saint-Etienne devienne, quoi qu'il arrive, capitale d'un soir. J'ai eu le plaisir de vous présenter, il est à mes côtés, mais cette fois, il a les yeux bandés. Je vous montre hein, qu'il ne voit absolument rien. Manuel Castaneda, il est éducateur canin. Il va devoir reconnaître 15 races de chiens parmi les 20 que nous allons lui proposer. Là, pour le moment, il y en a 30. À mes côtés... un petit mot, Inès ? Moi, je crois que oui. Vous croyez que oui ? Oui, c'est vous. Vous voulez savoir en deux mots parce comment ça fonctionne ? On aimerait bien, il bien les chiens. En plus, il a dit qu'il n'aime pas ce côté agressif, donc je crois que oui. D'accord. Eh bien, et Dominique, un dernier mot, parce que c'est vrai, on avait déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure. Moi, je vote toujours oui. Hein. D'accord, bah c'est... Toujours oui. Et oui, également, il nous donne la solution à chaque fois. Bon, on est prêt, Manuel ? On y croit. Alors, on va y aller, c'est moi qui... C'est parti, on y va. Commandeur. C'est un Commodore, réponse exacte. Venez avec moi. Allez, on prend celui-ci, là, à droite. On y va. Là, on passe devant, tiens, on va aller devant. On fait tout ça vraiment dans les ordres. C'est un tout petit chien. Je vais demander à tous les maîtres de bien tenir les panneaux. C'est un Westie, c'est bon, c'est gagné. Ensuite, ici, à côté, là, on a celui-ci. Montrez bien les panneaux aux téléspectateurs. C'est un bull terrier, à côté. Ah, c'est pas facile, hein, ce défi. C'est quoi, vous m'avez dit ? C'est un petit lébrier italien, c'est bon, ici. Là, ça c'est facile, ça. Tekel. Un tekel, c'est bon, ici. À côté. Je vais demander au public de ne pas souffler. Shih Tzu, oui, comme vous dites. Ici. Non, ça c'est la maîtresse. Non, ça c'est la maîtresse. Non, ça c'est la maîtresse. C'est pas bon. Boxer. C'est un boxer. Pour l'instant, on a les bonnes réponses. Alors, baissez-les au fur et à mesure. Là, on a le tout petit là, qui est là. Regardez bien. Chihuahua. C'est un chihuahua. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a ? On l'a pas fait celui-là encore. Hein, on est d'accord ? Fox terrier. C'est le fox terrier, c'est le chien de Tintin. Là, le plus gros, là. Hop là. Oh, je suis en train de lui tordre le cou, moi. Lévrier afghan. C'est un lévrier afghan. Est-ce qu'on a encore celui-ci ? Ok, il est mignon, celui-là. Allons-y. Caniche toy. C'est le caniche toy. Là, à côté. Clumber. C'est un, montrez-nous la pancarte, madame, c'est un Clumber. Oui, si on l'a fait déjà, non ? Il est simple, celui-ci, vous l'avez tous chez vous, à la maison. Je vous montre le panneau, regardez bien. C'est un... Berger allemand. Bah oui, c'est un berger allemand, qu'est-ce qu'il nous reste ? On va aller très très vite, revenez, remonter. Celui-ci, on l'a fait. Flandre. C'est ça, c'est bon, c'est un bouvier des Flandres, on va passer derrière maintenant. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Non, encore ici. Ne partez, oh là là. Allez-y, là, celui-là. Où il est mon huissier là, je le vois plus, il est derrière moi, tenez-le au courant du temps. 2 minutes 25. 2 minutes 25, faut commencer à accélérer là. Labrador. Bon, Labrador, c'est bon. On est à côté, ici, celui-là.
Il vous reste une minute, faut se dépêcher, on a combien? Venez, venez avec moi à la mettre. 2,38. 2,30, c'est bon, c'est un charpé, c'est bien ça, ici, là. Ne vous placez pas devant, attendez. Voilà, qu'on puisse le voir, regardez comme il est magnifique celui-ci. Cavalier King Charles. C'est un cavalier King Charles, à côté, là. On en est à combien mètres, là? Non, mais combien de... Attention, vite. Je passe. Il passe. Là, le tout petit, on l'a pas fait hein, tout à l'heure. Hein. Chien du chinois. C'est un chien chinois, ici, là. Et maître, est-ce qu'on en est à combien, là? J'aimerais savoir, c'est si le père ici ne partait pas sans elle, comme dit la pub. Allons-y. Dalmatien. C'est un Dalmatien. Alors on va continuer par ici. Attention, il y a une marche. Vite, là on doit... Celui-ci, le gros là. Attention, mais... Déplacez-vous. Léonberg. C'est ça, c'est un Léonberg. Moi j'ai l'impression qu'il a gagné. Bon, on peut l'applaudir, il s'appelle Manuel Castaneda, il est éducateur canin. Allez, enlevez le bandeau là. Du coup, il s'habitue. Enlevez le bandeau, Manuel. Regardez, qu'on vous regarde, qu'on vous voit, on va aller devant, qu'on vous applaudisse. Venez avec moi. Eh ben, c'est magnifique, il a réussi le défi. Le défi des chiens, c'est un 6, on l'a fait. Bravo, Manuel. C'était pas facile, hein, c'était pas facile. Vraiment pas facile.